Accueillez la joie de la gloire qui vous est donnée. Rendez grâce à Dieu qui vous a appelé au royaume des cieux. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
prions le Seigneur, Dieu d'éternelle miséricorde. Chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La première communauté chrétienne vivait sa foi au Christ ressuscité dans les gestes de partage et de solidarité. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 42 à 47. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en distribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Parole du Seigneur. En référence à cette lecture, méditant le psaume 117, rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. Éternel est son amour. Qui adore le Seigneur le dit ouais, éternel est son amour. La droite du Seigneur a fait merveille. Sa droite m'a élevé. Le Seigneur m'a durement éprouvé, sans me livrer à la mort. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue pierre d'angle. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie.
Et dans la deuxième lecture que nous trouvons dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 3 à 9, l'apôtre Pierre nous invite à glorifier le nom de Dieu, car notre héritage sera grand dans les cieux. Écoutons avec attention. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi, qui donc est vainqueur du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples, les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux, ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus avait fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons et chantons. Mes frères, mes sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques de l'année liturgique A, nous célébrons un triple événement. Premièrement, c'est la fête de la miséricorde divine. Cette fête a été instituée par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000, à l'occasion de la canonisation de sœur Faustine. Dans une vision, Jésus a demandé à sainte Faustine que la fête de la miséricorde soit introduite le deuxième dimanche de Pâques. Deuxièmement, aujourd'hui l'Église fait mémoire de l'institution du sacrement du baptême et du sacrement de la réconciliation. C'est pourquoi, selon la tradition de l'Église, le deuxième dimanche de Pâques est appelé dimanche in albis, dimanche en blanc, car c'était le dernier jour où les nouveaux baptisés pouvaient porter leur habit blanc. Troisièmement, aujourd'hui, c'est la fin de l'octave de Pâques. C'est la fin des 8 jours qui suivent la fête de Pâques. Frère Assemio, tout en attendant parler de fête de Pâques, tout en attendant parler de octave de Pâques. Et litiger l'Église, là, libère-nous deux possibilités pour nous célébrer octave. C'est d'abord gain octave de Noël et octave de Pâques. Octave de Noël, ça veut dire tout de suite après célébration fête naissance de Jésus. Autrement dit, après célébration, eh bien, mystère de l'incarnation, côté bon Dieu, vient faire tourner le monde pour venir habiter dans le monde. C'est ça nous dans le prologue. Saint Jean, chapitre 1er, verset 14. Le Verbe s'est fait chair et il vient planter sa tente au milieu de nous. Eh bien, tout de suite, nous finissons de célébrer mystère ça, mystère de l'incarnation. Nous avons 8 jours pour nous faire. Et dans 8 jours, ça, nous avons chanté Gloria. Il y aurait l'octave de Noël. Mais deuxième lettre pour nous, pas faire 8 jours encore, nous avons octave, c'est après nous finissons de célébrer le mystère de la rédemption. Côté Jésus lui-même, lui dit l'amour kaba, l'amour badba et la vie qui remportait la victoire. Et nous avons 8 jours.
Et je dis à ces fin 8 jours-là que gagner ça, octave de Pâques. Ça veut dire nous gagnons 8 jours, nous avons célébré, et dans 8 jours, ça, il y a chanté Gloria. Même Jean, dans 8 jours, eh bien, après octave de Noël, dans octave de Noël, là, il a chanté ça, Gloria. Mais il y a un petit bémol qui est nous capable de mettre entre deux octaves, ça, dans octave Noël, là, de Noël, là, eh bien, Père, allez la voie, allez, il dit, allez dans la paix du Christ. Mais tandis que dans octave eh bien, de Pâques, là, les pères à vous en aller, ils disent allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Est-ce que nous comprenons ça, me le dit nous? C'est-à-dire, litigiant, bonne possibilité, nous avons deux octaves, octave de Noël pour mystère de l'incarnation en résumé, et octave de Pâques pour mystère de la rédemption. Mes frères, mes sœurs, ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur le sens de la miséricorde. Parce que je vous dis, c'est dimanche divine de miséricorde, ou bien miséricorde divine. Eh bien, finalement, il faut que nous t'accompagnions de parler de miséricorde là. Rappelez-nous, dans l'année 2015, Pape François te baille toute l'Église la possibilité pour servir à thème miséricorde là. Comme guide pour mener peuple bon Dieu dans une conversion pastorale profonde. La miséricorde est le premier et le plus grand attribut de Dieu. La miséricorde est la première qualité de Dieu. Elle est la première composante de la nature de Dieu. Lorsque nous parlons de cœur sensible, nous devons voir ipso facto, bon Dieu grand maître, parce que non, bon Dieu, c'est miséricorde. Elle paraît comme le nom propre de Dieu. Cœur sensible, bon Dieu, c'est un cœur sensible qui est sans limite. Ça veut dire, pas aucun péché qui est capable de dépasser, pardon, mon Dieu. Autrement dit, pas de péché qui est trop gros. Que bon Dieu grand maître là, les mêmes, les pas pardonner. Gen moun qui font péché, dis moi-même, péché ça trop gros, pas venir confesser. Non! Bon Dieu l'ouvre bras bien grand pour le recevoir comme pécheur, pour le pardonner. Nous t'as capable de prendre, c'est ce qu'on appelle parabole de l'enfant prodigue. Ti petit la fin fait papa séparer bien, la gaspiller bien. Mais l'infini gaspillé bien prend conscience, il tourne pour lui dire, papa, je péché contre ciel là, je péché contre tout. Tu dis là, je ne pardon. Est-ce qu'il comprend? Vrai Maxime, yo, mon miséricorde là, on regarde ensemble, qui s'est côté de sorti. Mon miséricorde là prend naissance dans langue latin. Hein? Et puis il est composé avec deux mots différents qui font un seul. Premier mot, c'est miséréri. Qui voulait dire gain pitié. Et deuxième mot latin, c'est corps. Qui voulait dire que. Dans bon langue créole, nous sommes capables de dire yon moun qui gagne, autrement dit, qui montre miséricorde li, c'est yon moun qui gagne qui sensible, en pile. C'est yon moun qui gagne qui en main, ça voulait dire que ça doit yon qui paraît fermé sur lui-même. Qu'est-ce que ça a droit au cœur? Eh bien, qui paraît indifférent face à problème et puis souffrance l'autre. Gen moun nan nou la. Le ou moun bon la kaye li gen problème. Li gen problème la tout. Le sa di madame sa son madame qui gen cœur nan men. Madame sa son madame qui gen cœur sans, cœur sensible. Mais lorsque moun nan li même, li gen problème ou même, ou ouais moun nan gen problème, ou pas pote le secours, le sa dou gen cœur. Nous ne pouvons pas les autres nous dire. Nous avons dit, nous avons dit, quel enfer. Un chrétien n'a pas dit, un chrétien n'a pas dit, un pierre. Et c'est ça qui fait que dans la prière, ils ont demandé pour nous la prière, pour nous faire qu'un nous tourner au quai de chair, un quai sensible. Il y a un monde qui est sensible, c'est un quai qui allait joindre l'autre, si tout si là, qui abandonné ou bien monde qui pas de quoi pour vivre. La miséricorde est le style de l'agir de Dieu. Nous pouvons remarquer que la miséricorde est étroitement liée à la bonté.
Depuis mon nom, les gens qui sont sensibles, les gens qui sont bons, il y a la bonté. Rappelons-nous ce qui est écrit dans le psaume 103, les versets 3 jusqu'au verset 5. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te couronne de beauté et de miséricorde. La Bible est le grand récit qui raconte les merveilles de la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus nous donne une liste de gestes qui parle de la miséricorde de Dieu pour les hommes. Ce sont les ABC de la vie. ABC de la vie qui s'allie, c'est bail manger, axila qui grand goût, si là qui soif ba ou vèd l'eau pour boire. Accueillir si là qui pas côté pour rester, même quand journée jodi a, moun pa accueillir moun la caillou facile non? Hein? Gake yon moun la gaye, et puis c'est un terrain en terre, nous l'avons. Et vous avez kaye la, vous levez kaye la, vous avez. Si vous avez ça, nous avons mis l'entente en petite parenthèse. On mette la côté. Habillé, mettez rad sous si la yon qui tout ouni. Gampil nan nous là, la kaye nous nan pendri nous. C'est ravet kap habillé avec nous. On lié ravet habillé avec nous. Fon geste de miséricorde. Prends un pen en radio, pote bay si la qui bagaye yon. Et puis, soigner. Ça aussi, ce sont des ABC de la vie. Bagaille facile. Tout le monde l'a café. Qui moun ki pa ka faire moun ka don plat manger? Même quand je dis on plat manger tout le monde, on ballon d'or. Hein, gangoua red. On plat manger tout le monde, ballon d'or. Longtemps, frère Maxime, les moun a fait manger la caillou. Yo allez, yo mette chaudia sous du feu. Et puis, yo mette l'huile. Yo mette poireau. Et puis, pour les frères, choué. Mais je dis pas comme ça, non? Moun pa fri l'huile encore, non? Non! Parce que voisine n'a pas fait manger. Non! C'est plutôt mettre de l'eau. Hein? Le film mettre de l'eau et vider l'huile là, là-dedans. Il va réler. Ah oui, parce qu'on peut la manger. Vient tout nous ballon. On ballon d'or. C'est mon grand goût. Qui est misère dans la société. Hein? Notre célébration eucharistique est pleine de références à la grande miséricorde de Dieu. Au début, nous disons ceci, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Après le Notre Père, nous disons, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous raconte l'apparition de Jésus ressuscité aux 10 apôtres et à Thomas. Dans les apparitions de Jésus, nous pouvons souligner deux objectifs. Premier objectif, Jésus apparaît devant ses disciples pour confirmer, pour prouver sa résurrection. Deuxième objectif des apparitions est de préparer les disciples à continuer la mission. Dans cette apparition, nous pouvons souligner les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Premièrement, la présence de Jésus ressuscité. Il est montré blessure, signe évident de résurrection. Il est invité nous pour nous expérimenter mystère présence de Dieu dans l'absence. Parce que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Deuxièmement, c'est le don de la paix qui chasse la crainte et le doute. La paix soit avec vous. Cette expression revient à plusieurs reprises dans le texte d'aujourd'hui. Jésus ne leur fait pas de reproche, pas de remontrance. Il est un Dieu qui se donne gratuitement, sans garde de rancœur du mal qu'on a pu lui faire. Frère Axemio, Jodia, Jésus dit nous même gens, il dit dans l'évangile Saint Jean, pas paix. Et il dit nous même bagaille, il te dit à Potio, qu'est posé pour nous? Et recevoir l'Esprit Saint est un confié nous une mission pour nous donner témoin à mon cap annoncer bonne nouvelle là. En pile fois, la paix envahit nous, même Jean à Thomas, jusqu'à ce que nous venions douter. La paix a doute
empêchez-nous à faire mission. Bon Dieu, grand maître, la confiez-nous. Je dis, si je suis allé dans le choral là, ou bien aller dans le rassembler, je dis, je vais diviser nous trois par trois pour me voir un peu dans nous à l'épeigner, un peu dans nous à l'écroix des bouquets, un peu dans nous à le village là. Nous t'a dit, mon père, moi-même, renoncer à te battre moi, parce que je ne vais pas le côté ça. La pérèse. Doute. Empêcher nous accomplir mission non. Jésus dit trois fois dans l'évangile là qu'est posé pour nous. Thomas Patla, lorsque Jésus te paraît devant Apotio, l'élevine Thomas vini, li pat kwe. Jésus paraît sur huitième jour après te fin levé dans mitan moyo et t'en fait Thomas wel et li vin kwe pendant le t'as dit grand maître moi, bon Dieu moi. Jésus dit à travers l'évangile Saint-Jean, c'est chance pour le monde qui parle et puis qui croit. Belle parole, ça y est, fait songer ça, Elisabeth, te dit Marie, c'est chance pour ça qui croit. La parole grand-mère là, qu'a réalisé. Luc chapitre 1, verset 45. Nous-mêmes, tous chrétiens, dans la parole de la grâce, est-ce que nous ne pouvons pas trouver nous dans la même situation avec Thomas? Nous continuons même depuis pas quoi. Les Saoudis, c'est Thomas. Et nous-mêmes, est-ce que nous pas qu'on gagne doute dans la foi, nous, même gens avec Thomas, nous doutons. Si tout, les nous-mêmes, nous commençons un petit genre entrer dans l'âge, nous déposons comme un côté, mais parce que qui des trois jeunes petites mademoiselles, petit monde, mille qui n'ont qu'à là, nous oublions côté de mettre comme là, nous quand on fait doute, nous disons, c'est eux prendre. Après quelques minutes, ouais, comme ça, t'es là. Nous venons de doute. À chaque fois qu'on a des doutes, la foi diminue. Un vrai chrétien, pas de attitude ça. C'est la foi. Eh bien, pour nous gagner dans bon Dieu, comme maintenant, parce que bon Dieu n'a pas adoré. À toute force, nous, tout cœur, nous, tout l'esprit, nous, c'est un bon Dieu, nous pas capable ni ouais, ni toucher, mais nous capables de sentir présence dans la vie, nous. C'est toute raison ça qui fait nous dire, bon Dieu, c'est un mystère. Et nous dit ça déjà ici, un mystère, c'est un bagage que nous-mêmes, nous pas capables de comprendre ni. Quoi, non, bon Dieu? C'est gagner une confiance totale, capitale, dans lui. Et confiance, ça, vient plus solide chaque fois que nous faisons une nouvelle expérience avec lui dans la vie. Non. La foi, qui c'est une trois vertus théologales, la foi avant tout, c'est un attachement personnel de un monde avec bon Dieu. Rappelons-nous ce qui est écrit dans le psaume 103, le verset 10. Le Seigneur n'agit pas envers nous selon nos fautes. La miséricorde, autrement dit, le pardon est le premier grâce en Pascal. Troisièmement, nous pouvons souligner le don de l'Esprit Saint et le pouvoir de pardonner les péchés. C'est là que je parle de sacrement réconciliation. Et si nous avons posé Père en question, nous avons demandé Père, qu'est-ce que sacrement? Comment peut-on définir un sacrement? C'est quoi un sacrement? Cuit dans sacrement. Un sacrement est un signe visible que le Christ a institué pour recevoir et augmenter la grâce. Sacrement, ce n'est pas Père Francky, Père d'Orange, Père Colin, ou bien Père Anaël qui mettait, ou bien Père Séraphin. Non, c'est bon Dieu même, c'est Jésus même qui institue le sacrement. Ça, et c'est ça que nous faisons l'évangile, là, il dit. Jésus dit à Dieu, recevoir l'Esprit Saint, mon nous pardonne des péchés sous terre, eh bien, il y a besoin de pardon dans le ciel là. Mais mon nous pas pardonner sous terre, il n'y a pas besoin de pardon dans le ciel là. Et pas fait paix, non, les pères fait confesser, pas fait paix après que les. Il y a un qui dit, même, j'aime bien Père Colin, ça m'a confessé dans le même. Père Colin, ça n'a pas grand, il y a un problème pour que tout péché nous. Yo. Non! Père, pas que péché moun! Ou pas besoin de paix à confesser. Ça relève le secret confessionnal. Ça permet que vous avez confiance pour venir confesser. Ou venir confesser. Père pas qu'elle raconte, paix qui ce soit mon péché. Et Père pas qu'elle prêche sous péché. Ou devine dire. C'est ce qu'on appelle la confession. Et le secret confessionnal. Frère Maxime, à travers texte ça, moi m'invite nous tout à nous chaque
vivre sacrement réconciliation dans la vie, non. Même j'en vivre sacrement l'Eucharistie. Parce que sacrement péché, chaque fois que ou même ou péché, péché a fait venir tout non être qui aliéné, péché a fait venir oublier tête ou, il faut oublier bon existence bon Dieu, il faut oublier existence prochain. Hein? M'a prend un exemple ça, m'te prend dans trois paroisses que me fait mes jodi a. Nous connons l'homme monde fin fin boz. Nous pas connons bagage ça, non? Nous pas connons ouais. Rien bagage ça ici. Non, pas besoin prendre exemple, on pas connait, on pas besoin parler de ça. On met parler. Loin les monde fin fin boz. Mon nom, les craques. Les craques là, la marche dans la rue, la jambon tiré, tourer, gotri là, et ça, ou elle levé pied le haut ciel là pour le jambel. Pas le comprendre son ravine, la jambé. La traverse la rue, pour le passer en bas, fil haut tension, ou elle baisse à terre, rappeler la tête plate pour le passer parce qu'elle prétend, fil haut tension à priver sur lui-même, pour le griller. C'est laisse à lui petit tête lui. C'est même gens tout l'on empêché, l'on bien empêché à péché à fort vint tourner, yon être qui aliéné. Oublier existence, mon Dieu. Oublier existence, prochain. Relation verticale et horizontale là, yon coupé pour vous-même, en même temps oublier présence tête. Mais l'on on l'on bien empêché à le confesser. L'on fin confesser, on nettoie, on lave, on sent tout léger, on sent tout bon. Frère Maxime, yon. Dans la messe à Soya, dans l'occasion du deuxième dimanche de Pâques, là, on demandait, bon Dieu, grand maître, la parole entremise, maman Marie, sous vocable Notre-Dame d'Altagrâce, pour ba nous force et courage, pour nous qu'elle femme dans la mission lui confier nous, pendant la fin, quoi, puis plus toujours, et puis river, jouer une caisse sensible à tout bon vrai. Nous demandons, bon Dieu, grand maître, là, pour lever de tout doute, avec la pérèse qui est dans nous, comme ça, nous va arriver à accomplir mission, non, qui s'est annoncé bonne nouvelle. Jésus-Christ, tout côté nous passer, dans nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Hein? Frère Maxime, yo, à nous camper non pour nous professer la foi non. Non bon Dieu qui youn en même temps qui toi. Autrement dit, qui toi qui fait youn non. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur en ces jours très saints, supplions le Père en tout puissant afin que la parole de son Fils unique en Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Après chaque intention, nous chanterons. Thank you.
Christ est mort et ressuscité pour nous sauver du péché. Pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, à qui Dieu a confié la mission d'accompagner son peuple, afin qu'ils continuent d'exercer leur sacerdoce suivant les prescrits de l'Évangile, tout en restant ferme et inébranlable dans la foi. Dans la joie pascale, prions le Seigneur. Christ est mort et ressuscité pour le salut du monde. Pour tout dirigeant dans le monde, et spécialement, si la yo qui n'a tête pays d'Haïti. C'est pour bon Dieu que remettre la ressuscité conscience yo. Comme ça, yo va arriver prendre bon champ décision pour peuple haïtien capable de râler en souffle, en bas la vie chère et insécurité. Dans quel content fait Pâques là, en nous la prière. Christ est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Pour les malades, ceux et celles qui connaissent des difficultés de toutes sortes, afin que, dans leur souffrance, ils reconnaissent en Jésus le ressuscité, celui qui est capable de tout. Dans la joie pascale, prions le Seigneur. Le Christ est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Pour notre communauté paroissiale et ceux qui nous suivent à travers les médias sociaux, nous tous ici présents à cette célébration eucharistique, puisse Dieu nous aider à bien comprendre le sens de la mort et de la résurrection de son Fils, preuve tangible de son amour pour tous les hommes. Dans la joie pascale, prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Père Christum Dominum Nostrum. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, Seigneur, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, et il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant foi au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec un Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme à l'accoutumée, avec un geste de la tête et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux en sommes-nous, les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparée de toi. Amen.
Le Seigneur, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Nous font chita pour quelques annonces. Tout coûte. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Jeudi, c'est dimanche 16 avril. C'est deuxième dimanche de Pâques. C'est fête de la divine miséricorde. Tu gagné la messe à 6h15 matin, à 8h, à 10h, et nous sommes célébrés ensemble la quatrième messe pour aujourd'hui. Et nous avons le privilège de gagner avec nous le révérend père Lionel Collin. Mon père, merci. Merci pour ça, pour l'Église. Et là, nous, clergé paroissial, nous disons merci en pile.
Nous disons merci à groupe association chrétien catholique qui a animé la messe là. Merci à membres équipe liturgique. Merci musiciens. Merci à tout comité. Et merci à nous toutes et nous chaque. Merci à tous les techniciens RTA. À nous battre un gros bravo. Mais annonce nous gagnons pour ce maintenant. Nous gagnons la messe à chaque jour à 6h, à 7h et à midi. Vendredi 21 avril. A bien la messe à 6h, à 7h, à midi et à 4h, a bien adoration Saint-Sacrement. Et samedi 22 avril, journée de prière et de louange, et a bien la messe à 6h, à 7h, à midi et à 4h. Après-midi, a bien la messe dans la chapelle Saint-Padre Pio. Dimanche 23 avril, c'est le troisième dimanche de Pâques, a bien la messe à 6h15, à 8h, à 10h et à 4h dans l'après-midi. Le 1er mai, c'est l'ouverture de la trentaine de prières à la Vierge Marie à l'occasion du mois de Marie, tous les matins à l'église. Donc, la prière. Donc, tout. Nous sommes capables de prier ça sur Radio Télé Alta Grâce. On dit merci en pile à nous toutes et à nous chaque. Merci pour patience nous et qu'on y a moins invité nous camper pour nous recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu soit votre joie et votre paix, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il soit dans vos pensées, vos paroles et vos actions, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bonne soirée à chacun, à chacune d'entre vous. Déjà bonne semaine de travail. Merci. We'll be right back.